But, get. Du coup, je recommence par la partie wiki que Emeric a déjà faite, mais qu'il a faite euh, à, à l'épisode précédent. Donc, ça fera un rappel pour tout le monde pour cette fin de, de roman. Euh, donc, en VO, il est paru sous le nom de Fairy Tale et pas Fairy <laughs> Tales ni Fairies. Tail, parce que compte de fées en français, ils ont mis un putain de S à fées, alors qu'il n'y en a pas en VO. <laughs> euh, donc c'est paru le 6 septembre 2022 et le 12, le 12 avril 2023 en VF Shell, bah Michel, et on attend toujours la version poche, qui n'a pas été annoncée, sachant qu'en général en poche, il faut attendre entre 12 mois, c'est rare, plutôt 18 mois dans l'idée, donc on a encore un petit peu de temps. Euh, comme d'habitude, le roman est entré directement à la première place de la New York Times Bestseller list et il est resté 27 semaines dans ce classement, dont deux à la première place. Il a remporté le prix au 2023 de la catégorie Imaginaire et a été nommé au Goodreads Choice Awards 2022 dans la catégorie Fantasy. Pour une fois, King n'était pas dans la catégorie Horreur. Et côté livre audio, euh, à l'époque où il l'avait annoncé, moi pour la vo j'avais noté que King en lisait une partie. Emery, est-ce que je pense que tu nous l'aurais dit, mais est-ce qu'à un moment donné, euh, il y a la voix de King non. qui pop dans le livre je audio Je pense que ils font référence okay. à, au pré à la préface ou un truc comme ah, ça. Ah ok. Parce que non. Parce que c'est lui-même qui, ouais. qui lit la je préface alors. Ça. Je peux vérifier ça en, en direct et je vous est le dis, Quelle logique. Je trouve ça cool. Donc, okay. je trouve ça cool de se dire qu'ils font lire l'auteur ou l'autrice pour. Euh, c'est la sympa parce que du coup, il est, enfin, c'est ses propres mots, c'est ce qu'il pense, c'est pas juste un personnage ou son roman. Donc, je trouve ça cool. Ouais, ouais. À voir Bien si on parle pour les remerciements. Je sais pas s'il lit la page de remerciements. Je pense qu'il lit la page de remerciements dans le livre audio. Euh... J'ai pas. pas le souvenir. Forcément, <laughs> c'est le papillon. Bonne... Mais t'es pas le premier que j'écoute. <laughs> <laughs> Non, il y a les crédits de mais il n'y a pas euh, Ouais. Okay. Côté genèse, euh, l'avantage, c'est que euh, du coup, il n'a enfin, il, il pas fait tant d'interviews que ça, mais qu'il est bavard sur les livres qui sortent. Et que là, du coup, euh, tout est frais parce que le livre euh, est récent. J'ai recompilé un peu toutes les interviews euh, que j'avais traduites. En fait, il a, il a commencé à écrire ce roman au début du Covid. Et il a dit dans une interview. Je cite « L'idée était que je ferais quelque chose qui me rendrait heureux et qui m'éloignerait du Covid et de Trump, de la politique et de tout ce qui me tombe dessus tous les jours. C'est à peu près ce qui s'est passé. » En fait, sa volonté, c'était d'écrire un livre, comme ceux de son enfance, à savoir ceux d'Edgar Rice Burroughs et de Robert E. Howard, ou du moins le souvenir qu'il en a. Je cite toujours « Sur un jeune courageux qui est le gamin fort et complètement américain, mais je me suis dit j'aimerais faire ça de manière un peu plus réaliste, donc ce gamin a des choses archétypiques qui lui arrivent. » Donc les choses archétypiques dont il parle, c'est les choses que vous avez relevées surtout sur toute la première partie, toute la présentation euh, du du gamin en question. Donc l'aspect joueur de foot, athlétique, malin, mais avec des problèmes familiaux, euh, qui a un bon gars mais pas tout à fait à la fois euh, un gamin qui en gros qui pour King en tout cas n'a pas l'étoffe des héros de Disney. Et mais c'est un personnage qui grandit et qui change comme euh, tous les personnages surtout euh, assez jeunes chez King euh, dans ses romans les les plus euh, les plus copieux. Et d'ailleurs, à propos de l'écriture du personnage de Charlie Reed, il a expliqué, je cite encore, J'ai dû poser quelques questions à mes petits-fils et faire vraiment travailler mon imagination. Je pense que le personnage central et la composition émotionnelle ne changent pas trop d'une génération à l'autre, mais il y a un tout nouveau monde là-dehors, celui des médias sociaux, et j'ai dû travailler pour placer Charlie dans ce contexte. Et j'ai pas un gros souvenir de Charlie en mode euh, médias sociaux et, euh, et compagnie, vu qu'il passe la plupart. La, la plus grosse partie de son temps soit chez le vieux avant qu'il meure soit, euh, soit ouais, mais justement moment. chez le vieux il, man, il mentionne les réseaux sociaux quand il fait des recherches pour euh, pour aménager la maison entre autres ouais ça reste assez euh, as pas en fait c'est pas l'histoire d'un jeune qui est cyber harcelé tu vois ça reste quand même euh, assez, oui, non, ça, non. assez accessible pour King qui passe euh, sa journée sur Twitter oui j'allais dire euh, dire oui j'ai de nom mes petits mes petits enfants parce qu'on sait jamais je connais pas les réseaux frère tu tweets toute la journée genre si c'est avec hein, King et bon, toi, bon, toi tu l'appellerais frère <laughs> Sur ce coup-là, ouais. Et bro. Écoute, je suis depuis, hein, voilà, depuis que je le connais. De l'appeler Une toute petite familiarité. Même Emilie, elle n'ose pas. Non. Non, mais si je vois Stephen King, je vais pas l'appeler frère. je J'ai dit, voilà, à peu près. Euh, ce qu'il voulait, King, c'était écrire un personnage fort et plein de muscles, mais aussi très intelligent. Ce qu'il voulait par rapport au personnage de Riceborough, c'était lui donner plus de réalisme. Donc il a voulu combiner toutes ces idées-là avec ce qu'il aime chez Conan le Barbare ou chez les personnages de Riceborough, des villes désertes et des monstres qui ressemblent à des contes de fées. Donc il a essayé d'y intégrer des éléments de tous les contes de fées qu'il connaît, on en a vu plein, et notamment euh, euh, des contes de fées de Disney en mode Ariel la petite sirène. À noter, on a parlé des illustrations, euh, que donc le roman il contient des illustrations comme les vrais contes de fées de son enfance, et ça c'est un, un truc que King lui-même a voulu pour être fidèle et rendre hommage aux contes de fées, et la moitié de ces illustrations sont réalisées par Gabriel Rodriguez, qui est l'illustrateur du comique. Oui, c'est c'est trop bien. Et le comique Lokenki, ouais, ben c'est la personne qui a écrit Lokenki pendant que Gabriel Rodriguez l'illustrait, c'est Joe Hill, mm. un des fils de King. Donc, on reste dans la famille King euh, dans l'idée. Euh, côté connexion, je vais les passer vite fait. Après, y a, on pourra les redonner en commentaire ou ailleurs. Euh, parce que je vais y reparler, genre chapitre 2, chapitre 3. Donc, euh, des références que plus personne n'a en tête. Mais je vais les lister parce que c'est mon petit plaisir, moi. Voilà. Euh, chapitre 2, il y a une référence à Cujo en comparaison à un radar, qui est supposément un chien méchant. Je sais plus si elle avait je été relevée, celle-là. Il, il y en a plusieurs où ils sautent ils au site. <laughs> Ouais, ouais il aime bien à faire ça. À la chatam. Chapitre 3, Melissa Wilcox, est le même nom de famille bien. que le personnage principal de Roadmaster. Euh, et c'est peut-être un hasard, mais peut-être pas, étant donné les liens de ce roman avec le cycle de la Tour sombre. Roadmaster étant l'histoire d'une voiture qui est une porte qui emmène vers d'autres mondes, où on peut se dire que euh, que potentiellement Wilcox, c'est pas euh, c'est pas un hasard si c'est le même nom. Euh, un peu à la Ginelli, si vous vous souvenez de ce qu'on dit sur Ginelli dans la tour son euh, mention du journal Inside View dans le chapitre 17. C'est un journal, en fait, qui est tenu par Richard Dees, qui est un personnage de l'oiseau de nuit, et ce journal, Inside View, on le retrouve dans plein plein d'histoires de King, il est souvent cité. C'est un peu le journal du multivers Chapitre hein. Euh, chapitre 25, il est dit qu'un vrai prince peut flotter et changer de forme c'était le Gripsou de ah. ça. Gripsou, c'est des... un vrai prince. <laughs> c'est un bah, peu attends, un Gipsu, une vrai princesse. Un oui, c'est euh... oui, une princesse Disney. Hein. Bon, une ouais. princesse Lovecraft. Il danse. Il danse. Les sensu, et après, il y a plein de choses euh, que j'ai relevées euh, qui font des liens avec la tour sombre. Alors là, on n'est pas dans l'entre-deux-mondes, ça paraît assez évident, mais on est quand même dans un monde alternatif, parallèle, un notre univers, machin. Euh, ça paraît assez évident que du coup, il y a quelque part une connexion avec la tour sombre. Euh, si on tire un petit peu par les cheveux, je ne sais pas comment le puits sombre, le puits, il est nommé en, en VF. Le puits obscur. Mais euh, en anglais, vu que... Ok vu qu'en anglais c'est Dark Well et que la tour sombre en anglais c'est Dark Tower y a, on peut se dire ah, ouais, peut ils ont raté vraiment, Long Day's euh, Pleasant Night alors euh, le puits euh... <laughs> ouais j'avoue en plus, il est entouré d'un champ de coquelicots rouges. La tour sombre est -elle, étant, elle, entourée d'un champ de roses rouges. Et d'ailleurs, on verra quel est le lien qui est fait entre rose et coquelicots un peu plus tard, parce que, euh, avec la tasse dont on a parlé tout à l'heure. Euh, Grand Paul, tu l'avais relevé, Bauditch possède des pistolets de cow-boy. On a une rue qui porte le nom de Dearborn, je ne sais plus à quel chapitre. Et Dearborn, c'est le nom qui est utilisé par Roland, Amégis, dans le tome 4. Magie et cristal. Euh, chapitre 7, on a une référence à la Tour sombre et à une de ses genèses avec la mention du poème « L'écuyer roulant à la tour noire s'en est venu ». Je ne sais pas je si, ça avait été... je je sais plus si ça a été relevé ou pas. Peut-être que ça a un peu disparu aussi dans la VF. Hein. Ça, c'est un vrai sujet. Euh, chapitre 8, le pseudo d'un internaute dont le message intéresse Charlie et Bullguy19. 19. <laughs> La présence de 19 n'est jamais anodine dans l'œuvre de King, euh, qui est. C'est notamment il y un lien très très étroit avec la Tour sombre. Et d'ailleurs dans deux chapitres plus tard, dans le chapitre 10, Monsieur Bodich, il évoque une journée de l'année 1919. Et là on a deux fois 19 au cas où vous n'auriez pas compris. Euh, chapitre 11 et 12, on a plusieurs mentions de pistolero. Et après, c'est les chapitres qu'on a vus. Il y a des choses du coup que j'ai dites. Euh, chapitre 20, les tas sont des roses sur la bordure, euh, bien que plus tard Charlie se rend compte qu'en fait, ce sont des coquelicots. Euh, on a le Long Days, Pleasant Night, chapitre 20 aussi, qui du coup était mal traduit, mais qui est censé donner que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Moi Je, je pense que c'est parce que, que, le que le père de Charlie, il avait lu du king, c'est sûr. <rire> Certainement. <rire> Euh, chapitre 22, le fait qu'il y ait 19 soldats, on l'a dit. Chapitre 27, la mention ah, ⁇ Il existe d'autres mondes que ceci euh, ⁇ c'est une notion qui mmh. revient... Euh, donc ça, c'est, il existe d'autres mondes que ceci. C'est euh, une phrase très importante qui démarre un petit peu le cycle de la tour sombre. Euh, et cette notion, elle revient dans plusieurs chapitres sous différentes formes. Parce que chapitre 30, on a d'autres univers au-delà de la compréhension humaine. Là, on est clairement euh, dans la tour sombre et ses multivers. Et on parle aussi d'autres mondes dans l'épilogue. Chapitre 28, on a Charlie qui tue Anna en tirant dans la plaie rouge qu'elle a au milieu du front. Et les plaies rouges au milieu du front un motif récurrent chez King et notamment en lien avec enfin chez King oui. dans la tour sombre pas mal dans le pistolero euh, et pas mal avec bah, le suivant du roi en foule, je, je, sais, je crois que je l'avais peut-être noté ce détail là dans le dans la première partie mais je ne sais j'avoue que là ouais ça me dit rien euh, chapitre 30, il y a un personnage qui fait souvent des signes de moulinet avec sa main pour que les autres se dépêchent de parler notamment <laughs> un vieux type du pistolero Roland, que Julien euh, applique souvent, si, <laughs> vous voyez, si vous nous voyez sur Twitch. <laughs> un type qui l'a repris. Et enfin, dans l'épilogue, euh, Charlie se sent la mission de protéger ce monde, euh, ce qui est le rôle des pistoleros euh, de dans la Tour Sombre. Voilà, c'est tout pour moi. Ça, Donc, j'ai trouvé... Ah. C'est lui qui fait la voix des cassettes. Des cassettes. Des cassettes. Euh, oui, la cassette quoi audio que, ouais. Ah, les cassettes de, des cassettes de Bodich. de hein Ah, c'est marrant ça. C'est ah, qui fait marrant. très étrange parce que c'est <laughs> pas la voix de Bodich. <laughs> bah oui. Est... Ah. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, quoi Oui. Oh, c'est un petit cladeauille, ça. C'est un petit caméo. Mais... Moi, j'ai pas vu la diff. Hein. Elle est <laughs> <laughs> ah bon, bah, en euh... français, il euh, n'y a pas d'autre... C'est -ce hein, le, le même acteur qui fait tout. Mm. Tant mieux. <laughs> mutez-la là. là. <rire> <rire> euh, on passe aux adaptations. Est-ce que tu as d'autres choses, Émilie Let's go. Let's go. Non, c'est ok. Alors on a tous en mode ⁇ Mais qui fait les adaptations ?⁇ ben moi, ah les Bah c'est moi. Ah bah c'est moi. Bon après, bon, euh, je après. les ai faites euh, juste après mon résumé à l'instant là, donc euh, je vais citer assez directement un site euh, qui s'appelle SKF. Vous me pardonnerez. Hein, euh... C'est pas comme si j'avais dit il faudrait oui. que quelqu'un oui. s'occupe des adaptations. ⁇ Non mais je sais, je savais, mais j'ai juste <laughs> pas eu le temps là. Je... C est, c est... En vrai, il n'y a pas plus d'infos que la seule info qu'il y a eu il y a genre deux ans. Hein, ah c'était il y a deux Alors, ans <laughs> Euh, bah, la version anglaise, euh, euh, ouais, je pense. Au ouais. moment où il est sorti. Ouais, J'en ai une, du ouais. 15 septembre 2022, on va voir si on est même... Euh, septembre 2022, oui c'est ça, ouais. Il y a un an du coup, ouais. J'ai pas noté ça, les dates comme ça je l'évite de ça. voir des problèmes. <laughs> Paul Greengrass qui a fait Jason Bourne, adaptera, réalisera et produira le film adapté du roman de King. On vient d'apprendre aussi que les studios Universal rejoignent les rangs pour les financements. L'achat est imminent et les sources sont assez confiantes sur la capacité de Paul Greengrass de trouver des à trouver des investisseurs pour ce projet. Fairy Tale est un roman de fantasy, un genre de fantasy, un genre particulièrement mis en avant ces derniers temps, notamment avec les succès des séries House of the Dragon mm. et Les Allos du Pouvoir. Pourquoi euh... t'as pas marqué Ring mm. of Power oui, Excellente question. Tu as bien quelque chose à rajouter euh, non, mais euh, je trouve que ce livre ne se prête pas du tout à une adaptation. Moi, je trouve ouais, que ça peut euh... le faire, mais que le, le Paul Greengrass, ça m'étonne ça par contre. Écoute, on a, on a, on a bien une Narnia, donc ça yeah. passe. C'est littéralement Narnia, même Narnia, on, on, pas trop pour les enfants. <laughs> Avec plus de tunnels. Il y a. Il y a un vrai truc avec les sorties de King, c'est que chaque nouveau roman, les droits sont optionnés, et j'ai l'impression que c'est juste un peu, euh, ah, vite, vite, ouais, moi ça. je prends les droits, je prends On les droits, au après, cas euh... où. Tu vois, comme ça je les ai, et je verrai, ouais, c'est ça. Et là, le, toi, tu lis une actu mmh. qui a plus d'un an, euh, le truc est sorti mais oui, ça, peut-être qu'on n'en entendra plus parler. Et radar, le, radar! <rire> <rire> Bravo. Bien vu. Alors, j'ai quand même deux petites citations en plus. Inutile de dire que je suis un fan de Paul Greengrass et que je pense qu'il est un choix merveilleux pour oh ce mais film. Ah, mais quel suceur et, <laughs> <laughs> euh, ouais, et de son côté, Greengrass a déclaré Fairy Fairytale est une œuvre de génie, un récit d'aventure classique et aussi une allégorie contemporaine troublante. Enfin, les Américains, okay, quand il s'agit de se passer de la pommade, euh... c'est un truc louche. Mais surtout It's que amazing. Paul Greengrass, tous ses films oh, sont très réalistes, sont très. C'est de l'action, euh, vraiment. En plus, ultra cuté c'est imbitable. Je sais vraiment pas ce que ça donnerait sur une adaptation de ce style-là. C'est oui, pas la personne que je verrais. Ah, non, mais que vous <laughs> lui du chien. Du... Mais, mais ouais, bah ouais donc va. Va. clairement, euh, sa filmographie à Monsieur Herbe Verte. Euh... C'est pas... Bah, attends, il a il fait les Jason Bourne, c'est bien les Jason Bourne. Après, après... Me après, me après me des, les caméras à l'épaule dans le quoi, rôle de Charlie. Les actions euh, quand tu sautes d'une fenêtre euh, d'un immeuble à un autre, quoi. Ouais, bah T'imagines <laughs> bah, ouais. toute, euh, toute la descente de la fin <laughs> à l'épaule. <laughs> une scène comme ça dans <laughs> Cloverfield qui donne la gerbe. Pardon, Mark Walden, Matt Damon, Matt, Damon, Matt Damon dans le rôle de Charlie, qui défouraille des... Et imagine dans les tunnels. Des forêts des, fourrés, des gardes de la nuit. Là. Ça okay. pourrait, pourquoi pas. Écoute, moi, je, tant que j'ai pas vu, je ne juge pas trop, même si j'ai des appréhensions. Selon sa page <laughs> Wikipédia, le style de ce réalisateur est l'ultra-réalisme. Et donc, ça se prête ouais. très bien <laughs> à un roman de fantasy. Ah ouais. <laughs> <compte de> <laughs> Parfait. Ouais. c'est fini pour ouais. les adaptations. Il n'y a pas d'autre euh, sujet. Ok. Non. Par contre, une adaptation en roman graphique, ça serait mmh. cool. Oui. Ça oui! De ouf! Du coup, euh, tu devrais ouais. présenter tes planches. Il y a un truc à faire. Avec les personnages. Emily. Merci pour votre écoute de cet épisode du roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ces nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent, deux fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.